Et bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau replay secret et une nouvelle connerie que Laxama s'est pris. Alors de ce que j'ai compris, on est dans le festival Lumière contre Ténèbres. Et c'est un truc qu'on n'aurait jamais vu. J'ai vu un bout du replay jusqu'à presque à la fin, mais à la fin visiblement c'est parce que ça ressemble énormément à un truc qu'on a déjà vu il n'y a pas longtemps de Brionnak qui nous a envoyé, je crois. J'ai un doute, je sais plus. Avec Tétis, du coup on avait vu ça il y a vraiment très très peu de temps hein. Donc à chaque fois qu'il va piocher un monstre elfe sauf durant un damage step, il le révèle et il repioche une carte et c'est pas une fois par tour, donc il va piocher de toute sa main. Donc ça va durer longtemps, mais en fait de ce que j'ai compris à la toute fin, je me suis arrêté un peu avant pour vérifier si c'est, parce que là ça a l'air d'être un truc qu'on a déjà vu, donc je me suis dit ça sert à rien de refaire un truc, voilà, évidemment qu'on a déjà vu, mais en fait à la fin c'est différent. À la fin, c'est différent, visiblement. Donc, écoutez, on va juste accélérer parce que là, ça va être long. Hein. Il va piocher tout son deck. Hein, je vous spoil. Ça va être très très long. Donc, forcément, il faut qu'on accélère parce que sinon, c'est chiant, quoi. Donc après, voilà, il met plein de elfes à la con. Mais contrairement à, dans, je crois, c'est un replay de Brionnak où il y avait plein de elfes à la con, un peu différent, je sais pas quoi. Là, il y a une petite cohérence parce que, ouais, comment il va tuer Laxama, c'est une variante qu'on n'avait pas vue. Alors le maillet pour recycler la main. De toute façon le but c'est de piocher tout le deck. Hein, encore et encore. Et encore, on fait recharge. Il a pas pioché un elfe à la fin. Il refait le deuxième recharge. Carte de 2002 aussi hein, quasiment. Ou de même sûrement 2002. Hein. Comme quoi ça sert encore aujourd'hui. Voilà, on va piocher. Il reste encore une dizaine de cartes. Hein. Ça va être long hein, mais il va tout piocher. Et après à la fin je sais pas comment il va tuer, mais je pense que c'est à cause d'un monstre et c'est pas alors l'Ixis, puis après la magie avec les torpilles là qui inflige 400 par carte en main, je crois, un truc comme ça, là c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Allez, on y est presque, encore un peu. Ok, maintenant, donc il y a les pendules, voilà, échelle 8, échelle 1, on va spé 1, 2, 3, 4, et je pense que c'est ça qui va tuer. Athéna, j'ai un doute, hein, je connais pas la carte plus que ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. Ok, si un ou plusieurs autres monstres elfes sont invoqués, infligez 600 points de dommage, infligez 600 points, infligez 600 points. Donc là, ça fait 1800 à chaque fois qu'un elfe est invoqué. Ok, bah du coup, c'est ça. Il va essayer de burner comme ça. Une fois par tour, pour envoyer un monstre elfe face recto qu'on contrôlait au cimetière, puis cible un monstre elfe dans votre cimetière. Ah non, mais. Mais non. Attends. Une fois partout pour envoyer un monstre prospecto qu'on contrôlait à TX aussi. Si un monstre réel fait TX. En gros, tu envoies au cimetière et tu respectes ce que tu viens d'envoyer au cimetière. C'est débile de fou, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça encore, maintenant? Ça y est. Je sais pas si elle est vieille cette carte, je pense. Hein. Je mets ma pièce dessus, mais ouais, bah là, c'est encore un n'importe quoi. Mais du coup, tu l'envoies et tu. Mais tu pourrais même respecter ce que t'as envoyé au cimetière, si j'ai bien compris. Mais j'ai un. Envoyer un monstre elf à ce qu'on contrôlait en cimetière, puis cibler un monstre elf. Donc... Ah, il dit pas que ça doit être un autre elf. Il pourrait reborn, de ce que je comprends, le même elf qui l'envoie au cimetière, quoi. Mais après, il boucle sur les deux, donc peut-être que. Ouais, mais même il en a un troisième en vrai. Ouais, je pense qu'on s'en fout en fait. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Voilà, et après, énorme le dernier, et voilà quoi. Oh là là, bon bah ok, on avait jamais vu ça. Encore une connerie à Athéna, ouais, que je connaissais pas du tout. C'est de la merde. C'est de la merde. Aïe 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 aïe. Bon, c'est dans le festival, hein, donc c'est encore, c'est d'autant plus, voilà, un truc qui n'existe pas entre guillemets. Mais bon, écoutez, ouais, on n'avait jamais vu ça. RIP Laxama, mais merci pour le replay. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.